C'est super, Alex! Je proclame maintenant que ce château nous appartient! Alex, conte-nous l'histoire du roi Arthur. Ah non, pas encore ça. La ferme, Normand. Ça nous intéresse, nous autres. Vas-y, Alex. OK. L'histoire se passe il y a 1300 ans environ, au nord de l'Angleterre. Il y avait des rois, des royaumes, et tout le monde se faisait la guerre. Et puis un jour, une épée est apparue dans un rocher. Elle s'appelait Excalibur. Et Merlin, le plus grand magicien du monde, déclara à tous que celui qui réussirait le premier à retirer l'épée du roc serait proclamé roi d'Angleterre. Personne n'a réussi à le faire. Et foudrage, les rois se mirent à s'entretuer à nouveau. Ce fut une époque terrible pour le peuple. Et puis un jour, apparut un jeune garçon qui libéra l'épée de son rocher. Il s'appelait Arthur. On le proclama roi de toute l'Angleterre. Ce fut une époque de bonheur et de prospérité. Et même les gens pauvres et faibles ne craignaient plus rien. Parce qu'Arthur était le meilleur roi. Il aimait ses sujets et les protégeait. Mais il avait un fils méchant qui tua Arthur. Alors, une grande magicienne est sortie du lac et amena Arthur et Excalibur très loin. Et la guerre recommença encore. Le roi Arthur a accompli des choses merveilleuses dans sa vie. Il a rendu l'espoir aux gens, car il prêchait la justice, non seulement pour les riches ou les vainqueurs, ou même pour ses amis, mais pour tous et chacun, parce que c'était la meilleure chose à faire. La légende dit qu'un jour, il reviendra. Ha ha! Tiens, tiens! Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Pas de maternelle aujourd'hui? Hey, avez-vous oublié, tas d'imbéciles, que c'est mon territoire? C'est des jeux de bébés, ça, c'est stupide! Arrête-moi ça, Carl! Toi, tu ferais mieux de te taire. On n'est pas obligé d'endurer ça, on est six! Ouais, six petites crottes de rats. Ouais, viens, Alex! Fais ce que la petite fille te dit, Tom Pousse. Ah ouais, détale, fous-moi le camp d'ici! Il est chanceux que je sois de bonne humeur. Y a-tu quelqu'un qui a de l'argent? Non, moi, j'ai pas une scène. Ah, je te crois pas, René. Je sais que t'en as, pis tu vas le cracher. Non, pas question. Hey, Carl! Hein? Je vais te tuer! Oh. Plus vite, il va nous échapper! Je vais te tuer! Il est allé! Il est où? Je sais pas, moi! Par ici! Dépêchez-vous! Thank you.
Bonjour, Alex. Mais qui êtes-vous? Alex. Alex. Et tu sais qui je suis? Vous êtes Merlin? À ton service. Est-ce que je vais devenir roi? 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 Eh bien, mais quel genre de roi veux-tu être, dis-moi, voyons un peu. Le roi du rock'n'roll? Des bas prix? Ou encore le roi du baseball? Ou du souvlaki? Roi? Non, non. Ici, c'est la démocratie. Oui, ici, c'est l'Amérique. Et un vrai roi, ici, il n'y en a pas. Mais bravo, tu connais la légende. Je suis impressionné. Suis-moi. Le monde n'a que faire d'un nouveau roi, Alex. Moi, je sais ce dont il a besoin. De penseurs. Des hommes et des femmes dynamiques qui osent exprimer leur opinion. S'ils en ont une, bien sûr. Le monde est peuplé de moutons. J'aimerais te poser une question. Quelles sont les qualités qu'un homme d'honneur doit posséder? Il doit être honnête. Et d'abord avec soi-même, oui. Très bien, continue. Il doit être fort. Oui, autant mentalement que physiquement. Et intelligent? Oui, intelligent. Assez pour reconnaître qu'il ne sait pas tout et pour savoir à quel moment il faut se taire. Hmm? Est-ce que tu me comprends bien, Alex? Oui, je crois que oui. En termes clairs, avoir l'esprit ouvert, écouter ses semblables. Il ne faut jamais cesser, il ne faut jamais cesser d'écouter, jamais cesser d'apprendre. Tu seras plus puissant par ton savoir que par l'épée ou le fusil. Assieds-toi. Oh, Seigneur, tant de livres et si peu de place dans cet arbre. Je t'en prie. Je n'y suis pour rien. L'épée t'a choisi. Comment? Il m'est impossible de le savoir. C'est là le secret de la Dame du Lac et sois assuré qu'elle ne me le confiera pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vais t'enseigner comment utiliser les pouvoirs d'Excalibur. Comme au roi Arthur? Oui. Oui, c'est ça. Je l'espère. Voyons cela. Leçon numéro 1. Il faut cacher Excalibur. Toujours. Où ai-je pu mettre... Personne ne doit savoir où elle est. Non, personne. Il faut que tu croies les yeux fermés au pouvoir d'Excalibur. Et c'est parce que tu y croiras qu'elle existera. Ah, le voilà. Est-ce que tu comprends? Tiens, par exemple, le soleil. On n'a pas besoin de le voir pour savoir qu'il est là. Tiens, utilise ça pour l'envelopper. Très bien. Ouais, comme ça.
Eh bien, il se fait tard et je pense que c'est le soir où tu manges avec ton père de l'autre côté du lac. Ouais. Ouais. Bon, eh bien, il faudrait mieux partir, non? Je peux revenir? Si tu peux. J'y compte bien. Mais quand? Tu le sauras bien. Alors, dépêche-toi. Non! Hey, salut. Bonsoir, Linda. Salut, Linda. Comme d'habitude? Ouais, comme tu peux voir. Alors, je vous apporte vos deux coke et une serviette pour Alex. Bonsoir, madame. Ça va bien? Une journée agitée, hein? T'as quelque chose à me dire, Alex? Est-ce que c'est passé quelque chose dans le bois? Non, rien de spécial. Vraiment. Très intéressant, parce que la mère de Thomas a téléphoné. Elle a dit que le jeune Séguin que t'avais attaqué, toi et ta bande encore, et que tu lui avais lancé une ballonne d'eau en pleine face. Écoute-moi bien, Alex, je suis fier que tu te tiennes debout, très fier, mais des fois, au lieu de résister, de se battre, vaut mieux sauver. Je l'ai fait, tu peux me croire, je me suis sauvée. Tu t'es sauvée, bon, mais après avoir massacré le gars en question.
C'est tes voyous, Alex, qui sont capables de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui serait arrivé si t'avais battu, hein? Ou si on m'envoyait encore une fois travailler loin d'ici, tu sais, depuis que ta mère est partie. Je veux que tu réfléchisses, c'est tout. Je devrais peut-être consulter le père de Jenny. Il pourrait aller voir les parents des enfants. Pas question de faire ça. Alex, c'est un bandit de la pire espèce. Arrête, je vais m'occuper de ça. S'il te plaît, c'est juste entre nous. OK, si c'est ce que tu veux, très bien. J'ai aucune envie de retrouver mon enfant plâtré des pieds jusqu'au cou. Quoique ce serait amusant, non, de devoir te débrouiller avec une armure de plâtre. Sois prudent, OK? C'est promis, ça. Ouais, OK. Juré! Ya! 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 Aïe! Oh non! Alex, qu'est-ce qui se passe en haut, là? Mais rien! Salut, Jenny. Salut, Alex. Ça va, Alex? Et ton père? Il va bien. T'as tous tes livres? OK, avant de partir, on boucle sa ceinture si on veut pas devenir une décoration sur le capot de la voiture un de ces jours. Quartier général, c'est Franqueur. J'arrive dès que j'ai déposé ma fille à l'école. Dispatch, chef. Qui c'est ce gars-là? Le nouveau, c'est Luc. Il est pas pire. Est-ce qu'il va l'avoir, lui? On peut jouer un contre un? Bien sûr. Un match. Tiens, à toi, vas-y. Pas sûr. Ouais. Tu vas y goûter. Alex, c'est le meilleur. Luc a plus de chance. Je pense à Alex. Regarde bien ça. Ah, tu te l'avais dit. Ah ouais, m'ont dit Alex. Luc, c'est le meilleur. Yeah! Excellent. Attends-moi une seconde. Ça va pas être bien long. OK. Give it up.
le meilleur, mon œil. Moi maintenant, mon héros, merci pour la partie. T'appelles ça une partie, toi? Où est-ce que t'as appris à jouer? J'ai été élevé à Portland. J'ai joué là-bas. Je m'appelle Luc. Et moi, Alex. Est-ce que t'as vu jouer les Trailblazers? Ils sont en Oregon. Je viens du Maine. Ah ouais. Hey, Alex! Ah, oh, Luc! T'habites dans le coin? Ouais, juste en bas. Pas loin du marché. C'est par là. Cool. Écoute, je vais rejoindre mes amis au château. Tu viens avec moi? Au château? Ben, c'est pas un vrai château. On l'a fait avec un vieux hangar, ça nous a pris tout l'été. Pourquoi un château? Mais quand j'étais petit, mes parents m'ont amené dans une foire médiévale. On vivait comme au temps du roi Arthur. Il y avait des tournois, des duels à l'épée. Je continue depuis ce temps-là. J'ai convaincu mes amis, puis ils ont accroché. Alors on a bâti le château, on a aussi une table ronde et tout le reste. Ouais, c'est super, ça. Ouais, c'est génial. Tu peux être chevalier, toi aussi, si tu te conduis comme un héros. Ce gars-là a failli nous tuer! Ça, c'était le père de Séguin. Séguin? Carl Séguin? Je me rappelle, j'ai lu son nom dans les toilettes. C'était un malade. Il s'est mis dans la tête d'avoir ma peau. Tu sais quoi? J'ai peur de lui depuis que je vais à l'école. J'aimerais mieux qu'il arrête de me torturer, qu'il me tombe dessus. Je pourrais enfin avoir la paix, tu comprends? Ouais. Puis son père, il est encore plus tordu que lui. Il vole même des chiens. Il les vend au laboratoire pour leurs expériences. Pas vrai. Je te jure, c'est la vérité. T'en parleras à Jenny. Son père, c'est le chef de police. Il l'a fait mettre en prison une fois. Pourquoi? Je sais pas, au juste. Mais je pense qu'il a poignardé quelqu'un. Franchement! Pourquoi ils l'ont libéré? Je sais pas. Mais c'est rien, ça. Il paraît qu'il a mis le feu à une église. Un dimanche, en plus. Un dimanche? Pas le droit de passer sur mon territoire, vomisseur! Tiens, goûte à ça, toi! Arrête ça! Tu compris? Fiche-lui la paix! Ta gueule! Ça me dérange pas que tu sois une fille. Tu vas manger de la terre, toi aussi, comme tout le monde. Arrête ça! Non! Wow! Oh. Petit morveux. T'essayes-tu de me faire mal, hein? Penses-tu que tu peux me faire mal? J'ai des petites nouvelles pour toi, hein? Parce que ta belle petite face, je vais la transformer en bouillie, puis ça sera pas beau à voir. Wow. Oh. Vous avez vu ça? Oh. Attention! Oh. Oh. C'est beau, Alex! Oh. 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 Hey, vous deux! Oubliez ça, OK? Excuse pour le retard. C'est correct. Vous en voulez encore un peu? Toi, va-t'en. Et je t'avertis, je veux plus jamais te voir ici. Ouais, t'as gagné celle-là, mais t'as été chanceux. Un de ces jours, c'est moi qui vais avoir ta peau. J'espère que ton père a des bonnes assurances. Venez-vous-en. Salut, les gars. À bientôt, les super débiles. J'arrive pas à croire ce que j'ai vu. À genoux. Mets-toi à genoux. En honneur de ta bravoure, je te fais donc grand chevalier de la table ronde. Ah, oh, merci. Génial, Luc. Mes félicitations.
Merlin? Merlin, êtes-vous là? Merlin? Oh, on n'a jamais assez de rangement. Bien. Alors, très occupé, mon gars? J'avais envie de venir vous voir. Mais tu as eu bien raison. Moi et Séguin, on s'est battus. Oui, il fallait bien que ça arrive. Ouais, je sais. Mais j'étais sûre qu'il allait me tuer. Et je l'ai vaincu. C'est vrai? Oh. Pour moi, la violence n'est pas la solution. Mais j'ai gagné, je suis plus fort. Ouais. Séguin est le perdant, mais toi, toi aussi, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ta peur. Et avec l'aide de Luc. Qui vous a parlé de Luc? Mon cher Alex, j'habite dans un arbre avec un sous-sol, et ça te surprend que je connaisse ton ami Luc. Ouais, c'est vrai. Merlin, il y a autre chose encore. Qu'est-ce que ça peut bien être? Juste avant de me battre avec ces gars, j'ai vu Excalibur dans ma tête. Et je lui ai dit, aide-moi. Ah oui? Eh bien, tu n'as eu aucun besoin de l'avoir en main pour utiliser ses pouvoirs. Je me sentais si fort. Je sais, mais n'oublie pas ceci. Excalibur n'est pas un jouet, sa puissance est vieille comme la terre. Il ne faut jamais s'en servir pour faire du mal. Tromper Excalibur, c'est perdre le pouvoir d'Excalibur. T'as dit que tu voulais un troisième gars, non? Qui pourrait conduire? Lulu peut faire ça. Il a jamais essayé, mais moi, je sais qu'il est capable. Cam, mon gars, c'est toi? Ouais. Une bière? Ouais. Un crème soda. Carl, apporte-toi quelques bières et un crème soda, tu veux? Tu serais prêt à faire ça, mon gars, hein? T'as rieux, Butch. Tu vis ton gars. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Y a rien, là. T'as pas de ça rien, toi? Celui qui t'avait ça devait être pas mal plus gros que toi, j'espère. Alors c'est qui? Alex Caron. Qui? Un jeune qui se tient avec la fille de ton ami, le chef de police Francaire. C'est vrai, ça? Ouais. Tu veux que je fasse quoi encore, hein? Que je dirais que j'en compte pour toi, hein? Puis que je retourne encore en prison? C'est ça que tu veux? Non, voyons. Allez, monte en haut. Ah oui! C'est tout le portrait de sa mère. Je commence à en avoir plein de dos, moi, d'entendre ça. Là. Chef Franca par-ci, chef Franca par-là. Hey, tes histoires de famille, ça me fait suer. Il faut éviter à tout prix que Franca s'intéresse de trop près à nos affaires. Oh, toi, tu me fais mourir. T'oublies que sans moi, mon vieux, tu pourrirais dans ta cellule à compter des barreaux puis des briques. Puis ton petit cousin, là, le débile, il sera encore en train de pomper du diesel. Mais cette tête-là, ma tête, elle travaille sans arrêt. Elle met au point un coup. Et ça va être le bon. Belle fleur, bonjour. On est fermé. On n'a plus de fleurs. Je suis désolé, ma chère. Faut bien mourir un jour. Je viens d'avoir une brillante idée. Des larmes de bébé. Des larmes de bébé? Ouais. C'est ça, ta brillante idée? Non, pour ça. Minute. Il m'énerve avec ses plans débiles. J'ai un plan, moi et Lulu, mais on le dira pas à Butch. Surtout pas avant d'avoir empoché notre argent. Toi, t'as un plan? Et il est presque au point. Juste pour toi, pis moi. Ah, oh, alors c'est mon plan aussi, ouais, hein? Ouais, c'est ton plan, mon Lulu. Mais il faut pas parler devant Butch, OK? 1, 2,
Non seulement on va avoir les poches pleines, mais je vais régler le cas de mon cher ami Franker aussi. Ça m'inquiète, ça, Butch. Relax, tu veux? Parce que samedi prochain, on va être sur une plage au Mexique avec une señorita suspendue à chaque bord. Mais Butch, t'as une famille, non? Et ton gars, qu'est-ce que t'en fais? Hey, mon vieux père m'a jamais traîné nulle part, puis ça m'a pas empêché de réussir. Hey, Alex! Tout le monde sait ce qui s'est passé. J'ai vu ça. Ils arrêtent pas de me regarder. C'est normal. T'as vaincu le dragon. Ouais, je sais. À tout à l'heure. Ouais, salut. Je m'en fiche complètement ce qu'ils pensent, moi. Le hockey, c'est super. Le baseball, c'est con. Les gars sont là debout à rien faire. Puis toi, t'attends des heures en regardant les joueurs cracher et se replacer le paquet. Il y a pas d'action. Pas de bagarre non plus. N'importe qui peut jouer. Du mauvais hockey est meilleur que ça. Tous ces géants qui se bousculent, qui tombent, qui se blessent sans arrêt, c'est super. Oui, vieux. Je te le dis, moi, l'hockey, c'est super bon. Oui. C'est au bout. Hein, j'ai pas raison, Alex? Alex? Quoi? Alex, qu'est-ce que t'as? Rien. Faut que j'aille ma mère après-midi. Je peux pas sortir. On se voit demain. Salut. Alex, je peux te parler une minute? Ginny m'a demandé de te donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. À quel sujet? C'est adressé à toi. Comment je peux savoir ça, moi? Et puis, j'ouvre pas les lettres qui m'appartiennent pas. Mon cher Alex, j'ai un gros problème. J'aime Luc énormément. Crois-tu que c'est pareil pour lui? Peux-tu essayer de savoir? Si tu le sais, dis-le-moi. Je t'en prie, je l'aime beaucoup. Ton amie Jenny. Est-ce que ça va, Alex? Je croyais que tu viendrais aujourd'hui. J'ai pas été dans le bois. Ah non? Non, je sais. Je suis pas très en forme. Bon. Tu n'es pas très bien. Hein? Aurais-tu envie de quelque chose, dis-moi? Un œil de triton? De la poudre de pancréas? Oh, je crois avoir un peu de poussière d'ailes de chauve-souris sur moi. Ça garantit la guérison de tous les maux. Non, merci. Oh. Et tu préfères ne pas aller bien, alors? C'est ça? Demain, ça va aller mieux. Ouais. C'est... Tiens, voilà... C'est au cas où tu changerais d'idée. Écoute, Alex, je pense que je ne connais rien à ces histoires d'amour et tout ça, mais j'ai été amoureux une fois.
dame m'a enfermé dans une caverne pendant 8 siècles. Et je l'ai toujours aimé malgré tout. Oui. Tu vois, un jeune amour, c'est fort comme l'eau d'un torrent. On peut la tempérer, mais tôt ou tard, elle va déborder ou brisera sa digue. Autre chose aussi. J'ai bien peur que ce ne soit douloureux. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit. Et j'espère te voir demain. Excalibur. No.
Alex. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Je m'excuse, Merlin. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Est-ce que j'ai perdu Excalibur? Tu as mal utilisé le pouvoir de l'épée. Je suis désolé, Merlin. Merlin! Je souhaite que tes erreurs te servent de leçon. Merlin! 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 Excalibur! Hey, Alex, je vais faire des hamburgers pour dîner, c'est correct? Ensuite, je te reconduis à la fête de Ginny, OK? Hey. Hey. Qu'est-ce qui se passe, non? Excuse-moi. Je sais bien qu'il faut pas pleurer, mais je crois que c'est plus fort que moi. Qui t'a fait croire ça? Toi, quand maman est partie. Alex, j'ai eu tort. Quand j'ai dit ça, c'est juste que les choses allaient très mal. J'ai dit qu'il valait beaucoup mieux qu'on passe à autre chose. C'est normal de pleurer. Tu peux me croire. Alors, qu'est-ce qui se passe? À part le fait que tout le monde me déteste et que je voudrais disparaître, ça va super bien. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai frappé Luc, le nouveau gars dont je t'ai parlé. Alex, c'est insensé. Pourquoi? Je suis un imbécile. Alex? Je voyais plus clair. J'étais comme enragé. J'étais jaloux. Pas. Qu'est-ce qu'on fait si on aime une fille? Puis que la fille aime quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Je vais continuer longtemps à souffrir. Ça fait très mal, je sais. Mais ça durera pas. Mais c'est pas juste. J'ai connu Ginny à 20, c'est lui qu'elle aime. Il y a beaucoup d'injustices dans la vie, tu sais. Lui as-tu fait des excuses? Je sais pas si j'aurai le courage. Tu sais, juste après que maman soit retournée en France, eh bien, souvent je restais debout la nuit, je me sentais coupable. Je me répétais que j'étais l'être le plus affreux au monde, que j'aurais pu être meilleur. Que si je m'étais comporté d'une autre façon, peut-être que maman serait avec nous encore. Et il m'a fallu des mois pour réaliser qu'autour de moi, personne non plus était parfait. Même pas toi, Alex. Fais des excuses à Luc. Si t'es sincère, tout va s'arranger. Si c'est des vrais amis. Ne pense-y pas trop, tu veux. Ah, le temps s'éclaircit au loin. Tu veux encore aller au party? Oui, je veux. OK. OK, Lulu. Jude puis moi, on sort de la banque en vitesse. Et toi? Ouais. J'ai dit que nous deux, on sort de la banque en vitesse, comprends? Puis toi? Oui. Tu fais quoi, hein? J'arrive par en avant, et puis je vous prends, et on part très, très loin. C'est là qu'entre en jeu mon fameux plan. Oui, c'est quoi ton plan? Eh ben... Vas-y, on a hâte de la savoir, ton idée géniale. On s'en va chez Franker tout droit. Quoi? T'es cinglé?
J'haïs ça qu'on me traite de cinglé. Pas cinglé. On dit génie. Le génie. Ouais. Frankeur va mettre des barrages, OK? Mais nous autres, on sera pas sur la route. On va être bien installés dans son salon avec sa femme et sa fille. Quand notre homme va arriver, on va être là. On prend la femme, la fille, on les met dans le coffre de l'autopatrouille. Puis là, avec ce petit bébé enfoncé d'un côte, on fonce tout droit sur son barrage. Le shérif puis moi, ça va être notre dernier au revoir. Ça sera pas un cadeau, ça, Butch? Ouais. Puis tu sais, ça prend un certain savoir-faire. Et quoi? Savoir-faire, un don spécial. Ouais. Allons-y, gars. Hey, Gilles! Ça fait partie du plan, ça? Oh, ta gueule, compris. Je viendrai te le dire. Hey, Gilles! Quoi encore? As-tu de la gomme? Oui, y'a rien. Moi, j'aime pas beaucoup leur musique. T'es sérieuse? Pourquoi non? Oh, salut! Salut, Norman, ça va? Ouais, j'ai des goûts de teint. Est-ce que tu vas porter cette chemise-là? Non. Non, je vais mettre celle que Jenny m'a donnée. T'attends quoi pour te changer? Allô? Ben oui, bien sûr que c'est moi. Hein? La banque? Il y a combien de temps? Quoi? 20 minutes? Vous auriez pas pu appeler avant? Appelez la Sûreté puis la GRC, OK? Installez des barrages. Appelle les autres. Moi, je vais recommuniquer avec toi de ma voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Des voleurs ont fait la banque. T'es pas sérieux? Ouais, j'ai pas une seconde. Mais... Paul, sois prudent. Hey, monsieur le génie, viens faire un tour de notre bar, voir. Avance. Avance. Maman! Que Jenny! Du calme. Et écrasez-vous. Ah oui? J'ai dit assis, OK? Ça exclut personne. Quelqu'un pourrait éteindre la musique? Hey, ici.
Ici Francoeur, je me dirige vers les limites du comté. Demandez aux agents de la sûreté de me rencontrer là. Terminé. Ça fonctionne pas exactement comme tu disais que ça fonctionnerait. Baisse le ton, là. Je me concentre. Faut trouver une solution. J'ai dit, je me concentre. Oh, tu nous vois partir d'ici avec une douzaine d'otages. Écoute, si tu te la formes pas, t'auras pas de préoccuper de la police. Je vais te tuer moi-même. Ça fait que la ferme. Tout est sous contrôle. À vous. 10-4, Gérard. La sûreté est là. Je te reviens. Terminé. Chef Francoeur? Ouais, je suis Francoeur. Constable Joncor, est-ce que c'est vous qui vous occupez de l'enquête? Jusqu'à ce que vous soyez là, c'était moi, ouais. Merci du coup de main. On est un peu débordés. Aucun problème. C'est quoi la situation? Ben, on a trois sujets armés puis masqués conduisant une vieille minoune. Année et marque inconnue. Couleur, disons, brun, beige ou verte. Pris la fuite avec 300 000 $. On a fait bloquer toutes les routes d'accès. Un peu tard, mais ça m'étonnerait qu'il puisse échapper. D'après moi, il se cache pas loin d'ici. Vous savez quoi? Je contacte le bureau chef qu'on aille un hélicoptère pour commencer les recherches tout de suite. Ouais, bonne idée. Je vais lui indiquer les périmètres pour que tout fonctionne et puis je suis à vous. Je vous remercie, les gars. Toi, tu vas rester avec le chef de police? On va attendre que Francoeur arrive, hein? Puis on prend les jeunes qu'on va enfermer dans le sous-sol. Et on t'étale avec Francoeur et sa douce moitié. Mais ils vont trouver les enfants tout de suite. Puis après, qu'est-ce que tu veux qu'on leur fasse? As-tu vu un autobus scolaire stationné dehors? Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Francoeur, c'est notre planche de salut, ouais. Écoute, mon Butch, laisse de côté tes petites rancunes. Tu me fais lever le cœur. On va avoir 300 000 $ comptant en sortant d'ici. Et pour les garder, va falloir qu'on soit bien créatif. Créatif. Ouais. Ça va aller tout seul. J'espère bien que ça va aller tout seul. Relax, Lulu. Je vais aller changer le char de place. Surveille les jeunes. Thank you.
J'suis en train de capoter, moi. Écoute, on laisse tomber, OK? Il n'y en est pas question, OK? Tu pourrais pas l'occuper un peu, il s'ennuie. Monsieur? On peut ouvrir la TV? Non. S'il vous plaît. J'ai dit non. Et qui est plate, lui? Hey, là, je t'ai entendu! Bergeron, quartier général. Périmètre établi. L'escouade est arrivée. Tous nos effectifs sont en place. Terminé. Gérard? Oui, monsieur? Rien qui semble moindrement intéressant. Absolument rien. Ou on les a ratés, ou ils ont disparu. Ils ont dû s'arrêter pour compter leur argent. Ouais, c'est un beau paquet. Merci. Salut! Quoi? Quoi? Relax, Lulu, t'énerve pas, mange pis avale. Ah, les enfants, ils sont sortis! Fais attention, Lulu. Maudit. C'est qui, petit monstre, qui est sorti? Je viens de les compter. Ils sont tous là. Eh bien, plutôt épais, jeune. Fort de chance, toi. Là, il est si stupide. Donne-moi tes lunettes, c'est plus prudent. Oui, ce que tu voudras, mais...
Mais par pitié, fais-moi descendre! Descends. En enfer. Où c'est que tu peux être? Je sors, puis je vais le ramener. Pas question, c'est pas de bonne idée. Écoute, c'est rien que des enfants, Butch. Je m'en vais retrouver Lulu. OK, mais fais attention. Qu'est-ce qui pourrait bien me tomber dessus? Un enfant, hein? Et que j'ai les enfants. Ouais. Monsieur? Ouais? Je m'excuse, mais il faudrait que j'aille tout de suite au petit coin, ça presse. Ah, tu veux aller au petit coin, toi? Mais si je te laisse aller au petit coin, toi, un autre voudra aller également au petit coin. Et un troisième va demander le petit coin après. En moins de deux, chaque petit morveux va vouloir aller au petit coin, tu comprends? La réponse, c'est non! Mais c'est un numéro 2. Qu'est-ce qui vous prend, la jeune génération? On dirait que vous êtes le nombril du monde. Jamais vous pensez à autre chose qu'à vos petites personnes. Et moi, j'ai d'autres affaires à régler. Et tout le monde ici coopère, excepté toi. T'as rien qu'à t'en tenir. Quoi? J'ai d'autres choses à penser? Hein? Lulu! C'est moi! Lulu, c'est moi! Où est-ce que t'es, Lulu? Lulu! Lulu! Ah ouais, il sort de là une minute. Approche, ah ouais! Sors de là, t'as rien à craindre. J'aime les enfants. Ah oui? Alors pourquoi vous avez une arme? Quoi, ça? Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'as fait de mon cousin? Il doit être dans la grange quelque part. Accouche! Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Non! Où c'est que tu penses que ça va te mener? T'es faite comme un rat. Ce sera pas beau à voir, mon vieux, si je décide de te coincer. OK, le drôle. Tu veux de l'action? Je vais t'en donner. Si tu voulais de l'action, t'en as eu! Mafio! Lulu! J'ai des yeux derrière la tête, moi, compris? Si j'en vois un seul qui bouge, je veux le savoir. Un seul. Aucune exception. Oui. Thank you.
qui c'est qui a bougé? Allô? Écoutez bien, des bandits gardent un groupe d'enfants en otage, dans une maison. Du chef Franqueur. C'est pas une farce. Une voiture brune, je crois. J'ai vu trois hommes, et ils ont des fusils. Faites ça vite, faut que je raccroche. Hey! Ça fait-tu partie du plan, ça? Oh, ferme ta gueule, Lulu. Notre plan est à l'eau. À l'eau à cause de cette petite maudite bande de morveux. Oui, mais Gilles, je voulais suivre notre plan. Tu veux un plan, Lulu? Oui, tu veux un plan, Lulu? OK. Le voilà le nouveau plan. Où on se rend 17, où on se revoit en dedans. C'est ça, le plan. Chef Franqueur, m'entendez-vous? Richard, réponds-moi si t'es là. Ouais? On vient juste de recevoir un appel. C'était sur la ligne de Jenny. Un garçon nous dit qu'il y a trois hommes armés qui retiennent des otages chez vous. C'est pas tout. Il dit qu'ils conduisent une voiture brune. Je vais aller voir tout de suite. Suivez-moi! À toutes les unités, rassemblement général de toutes les voitures disponibles immédiatement à la résidence du chef Franqueur. Le dos tourné, on pourrait peut-être essayer. Regardez ce que j'ai trouvé. Alex, mon chou, est-ce que ça va? Hey, on se la ferme. Toi, t'as appelé la police? Génial. Toi et moi, on va faire une petite promenade. Non, prenez-moi. C'est juste un enfant. Ah non, pas vous, Madame Franqueur. C'est votre mari qu'il me faut. Et surtout, je veux pas en voir un seul bouger, tu l'as compris tout le monde? Pas un seul! À cette heure, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire, OK? T'as compris? Butch! 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 On est là-dedans! Je vais avoir le magot pour moi tout seul. Avance! C'est toi qui as fait ça, hein? Tu vas venir avec moi. Oi, monte! Reste là, bouge plus! Vous avez rien? Jenny, ça va, ma puce? Oui, papa, on a rien. Ça va? Butch, c'est gay.
T'as joué à gardienne d'enfant, Butch? Emmenez-le. Oh, et par là, toi. Papa! Jenny. Je vous avais dit de pas bouger de la maison. Oh, est-ce que ça va, Alex? Oui, chef. Ouais? J'ai capturé deux autres bandits. Ils sont dans la grange, il y en a un qui est armé. Dans ce cas-là, on va se dépêcher un peu, sinon les enfants vont s'en charger. Je suis contente de te voir. Est-ce que ça va? Ouais, toi aussi? Oui. Tout le monde est correct? Oui, ça va, monsieur. OK. Alex, c'est toi qui as téléphoné? Les deux autres, c'est toi qui les as enfermés aussi? Ouais, monsieur. Eh ben, t'as pas les deux pieds dans la même bottine. À quoi t'as pensé, Alex? Ton père voudra plus jamais nous chef, parler. On est prêts! Peux-tu les ramener à la maison tout de suite? Oui. OK. Je vais aller rejoindre. On retourne à la maison. Jenny, viens. Allez, venez. On les a eu, on les a bien. Jenny, Luc, est-ce qu'on peut se parler? Je voudrais juste m'excuser. Jenny, je t'aimais, tu sais. Et pas comme ami, comme amoureux. Et quand j'ai vu que tu préférais Luc, j'ai été jaloux. Et j'ai peur que vous cessiez d'être mes amis à cause de ça. Excusez-moi. Tu seras toujours mon meilleur ami, Alex. Aussi. On fait tous des choses idiotes des fois. Jenny! Allons, les gars, rentrons. Hey, où est-ce que tu vas, Alex? Je viens d'allumer le barbecue. Je vais juste me promener dans le bois. As-tu perdu l'appétit? Ça va, toi? Oui. T'es sûr? Parce qu'avec ce que tu viens de vivre... Ah, mais ça va bien. J'ai juste envie d'aller marcher. Ouais, mais si t'es pas là dans une heure, moi, je mange, compris? OK. Hey, Caron. Oui? Mon père va retourner en prison. Puis c'est par ta faute. C'est pas juste de ma faute. C'est pas grave, je te jure. Je vais probablement aller le voir là-bas quelquefois. Il va beaucoup me manquer. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. On va peut-être se revoir. Ouais. Salut, vieux. Salut. Salut. Bonjour, Alex.
Je suis fier de toi. J'avais fini par croire que c'était peut-être bien comme une sorte de rêve, Merlin. Vous, Excalibur, et tout le reste. Mais peut-être au fond, Alex, peut-être, qui sait. Est-ce vraiment important? Vérité ou fantaisie, le pouvoir est en toi, tu en es le maître. Vous allez me rendre Excalibur, Merlin? Mais tu n'as jamais perdu Excalibur. Écoute, Excalibur, ce n'est pas une chose, un objet ordinaire qu'on tient à la main. Excalibur, c'est ce qu'on a de bon en nous. C'est le pouvoir de faire le bien, de combattre pour ses croyances, de tuer les dragons ou d'attraper les voleurs de banque. Tu posséderas toujours Excalibur dans ton cœur. Voilà. Je vais te dire adieu maintenant. Merlin. Oui. Est-ce que je suis Arthur? Si tu le veux très fort, oui. Chacun possède dans son cœur un peu de ce qui a fait d'Arthur un grand roi et un grand homme. Et spécialement toi, Alex. Spécialement toi. Non, tu sais, tu n'es pas Arthur. Tu es Alex. Et cela, c'est déjà une très grande chose. Adieu, Merlin.